Après avoir formé l'un des couples les plus glamour d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie se sont livrés à une véritable guerre judiciaire depuis leur séparation. L'actrice a récemment supplié son ex-mari d'abandonner les poursuites engagées contre elle. Véritable légende vivante du cinéma hollywoodien, Brad Pitt et Angelina Jolie ont longtemps formé l'un des couples les plus glamour au monde, avant de finalement se déchirer. Pour mémoire, les deux acteurs se sont rencontrés sur le tournage du film d'action baptisé Mr. et Mrs. Smith en 2005. Alors qu'il incarnait un couple à l'écran, la réalité a fini par rattraper la fiction, étant donné qu'ils ont entamé une relation amoureuse. Par la suite, les deux artistes vont fonder une grande famille en devenant les parents de 6 enfants. Concrètement, le couple a donné naissance à 3 enfants biologiques, tandis que Brad Pitt a officiellement adopté les 3 enfants adoptifs d'Angelina Jolie. Les deux tourtereaux se sont finalement mariés en 2014, avant de se séparer à la surprise générale 2 ans plus tard. Leur divorce est prononcé en 2019 après une longue bataille judiciaire. Cependant, le conflit des deux acteurs entre avocats interposés est encore loin d'être arrivé à son terme. Récemment, Angelina Jolie a demandé à son ex-mari de lui fournir l'intégralité de ses échanges avec une personne en particulier. La fameuse conversation concernait une dispute survenue en 2016, durant laquelle Brad Pitt aurait tenté d'étrangler un de leurs 6 enfants. Le comédien a refusé la demande de son ex-femme pour le moment. Nous ne sommes pas du tout surpris que M. Pitt ait peur de remettre les documents. Alors qu'Angelina demande à nouveau à M. Pitt de mettre fin aux disputes et de mettre enfin sa famille sur la voie de la guérison, à moins que M. Pitt ne retire sa plainte, Angelina n'a d'autre choix que d'obtenir les preuves nécessaires pour prouver que ses allégations sont fausses, a indiqué l'avocat de l'actrice dans un communiqué publié le mercredi 17 juillet 2024. Angelina Jolie veut mettre un terme à sa guerre judiciaire contre Brad Pitt. Jusqu'à présent, Brad Pitt aurait reconnu une partie de ses torts dans cette affaire. Brad a reconnu tout ce dont il est responsable depuis le premier jour, contrairement à l'autre partie, mais il ne reconnaîtra rien de ce qu'il n'a pas fait. Il a été la cible de toutes sortes d'attaques personnelles et de fausses déclarations, avait précédemment indiqué son avocate. En parallèle, Angelina Jolie a aussi demandé à son ex-mari d'abandonner le procès concernant la vente de ses parts du château de Miraval en France, où il détenait une exploitation viticole.